Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, je sais plus du tout sur quoi on s'était arrêté l'épisode d'avant. Oui, si j'avais débloqué les hubs, les améliorations technologiques qu'on avait réussi à débloquer justement encore, de par l'ascenseur orbital. Et j'avais dit que je vous retrouverais pour réorganiser un petit peu tout le bazar, toute la partie production. Et justement pour ça, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Ça déjà, vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et si je tourne, voilà! Voilà! Ce qui s'est passé, c'était un désert. On a rendu le désert gris. On a rendu le désert vert, nous on rend le désert gris. Avec un peu de bleu. Voilà, ça c'est le... C'est l'originel, ça c'est le... Le conteneur, pas le conteneur, comment ça s'appelle? La fondation originelle là-bas. Celle qui était sur la pierre et que j'ai recoloré. Alors, j'avais placé quelques trucs, j'avais fait un petit peu de production histoire d'avoir du rab, vous les voyez là dans les conteneurs là-bas. Tout n'est pas plein, clairement pas. Il y en a peut-être un quart, et encore un quart, au max un quart qui est plein. Maintenant je me dis il va falloir mettre tout ça en route. Pour ça, je peux faire appel à mes nouvelles technologies. Donc j'ai développé les convoyeurs MK3. Également des pipelines, des trucs comme ça qui sont autour. J'ai développé la foreuse MK2, donc qui permet d'extraire 120 par minute au lieu de 60. Donc là on va doubler notre production. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, je sais plus, ouais non les carottières on s'en fiche, pas de suite. En gros il y a surtout ça qui a été débloqué, plus quelques productions, hop je vais vous montrer. Donc tout ce qui est acier, je sais plus ça si on l'avait pu le faire. C'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Cadre modulaire lourd, c'est passé entre les mailles de mon filet ça. Et tout ce qui est pièces industrielles, rotor, stator, moteur. J'ai déjà pris le soin de placer les extracteurs MK2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai 5, donc j'ai le premier qui est là. J'en ai un qui est planqué ici, juste devant l'extracteur de. Comment ça s'appelle, de calcaire. Donc j'ai deux fers à calcaire. Derrière, sans compter les 3 de charbon qui sont là-bas, donc 3 charbons de fer un calcaire, auquel je rajoute ici 3 fers, donc 5 fers, 3 charbons un calcaire, plus les deux là que vous voyez, il y en a un qui est un peu planqué, je vais bouger. Voilà, plus les deux de cuivre, donc le premier ici et le deuxième ici, donc pour un total de 5 fers, un calcaire, 3 charbons et 2 de cuivre. Le charbon d'ailleurs que je fais venir jusqu'ici, qui a déjà rempli le. Qui a déjà rempli le stockage, ok, un pack. L'objectif. Parce que ça va être un merdier pas possible. Pour dire ce qui est, hein. Ça va être un merdier pas possible. C'est je vais m'arranger, comme je vous disais, par étage. Alors. Je sais pas si l'étage le ferait tout de suite ou pas. Je vais faire un étage, l'étage du bas. Ça va être tout ce qui est raffinerie, fonderie, etc. Donc pour faire simple, chaque extracteur nous donne 120 minerais. Chaque fonderie... Alors... Non. Pas chaque fonderie. Les fonderies normales... Hop, je vais vous montrer. Ça sera plus parlant que... Donc on a les fonderies qui nous permettent de fondre un matériau. Et les fonderies avancées qui nous permettent de fondre deux matériaux. Ou des cadres modulaires. Quoi j'ai que ça? Oh j'ai perdu des câbles modulaires. J'ai perdu des cadres modulaires là. Il nous fallait ça et je sais plus. Des moteurs.
les moteurs et du béton. Par contre, les cadres modulaires, j'en ai foutu quoi. Ouais, des fois c'est nul parce que c'est très cher à faire les cadres modulaires, c'est vraiment très cher. Oh bah zut, j'avais tout prévu. Mais en gros, bon voilà, vous avez les fonderies normales qui consomment 30, qui font du 30 pour 30 hein. Hop. Et vous avez la fonderie avancée qui ah bah si c'est bon, j'avais que deux fonds ouais. Qui elle c'est 45 45. Ce qui fait qu'il va falloir que j'organise ça dans 45 45. Je me dis si je peux faire deux fonderies avancées ou quatre. Je vais faire, ouais, comme ça moi je serai sûr, je vais faire 4 fonderies avancées, quoique c'est 45, ça me prend 90. Enfin voilà, je m'arrangerai un peu plus tard, mais voilà, ah bah non, ça, je suis obligé de le faire maintenant, Donc on a un total de 180 de fer, le charbon c'est pas un problème, parce que ce sont des sources pures qu'on a là-bas. C'est 45 unités, donc c'est 90 les deux et c'est 180 les 4. 180 c'est bien. Comme ça nous laisse... Si je fais 4 fonderies avancées, ça va me prendre 180 de fer et il m'en restera 300 piles. 300 ça me fera 10 fonderies de fer normal. Ah ouais, 10 fonderies de fer normal. Ça devrait être pas mal. Au pire, j'en ramènerai du fer. Il y en a. Alors celle-là déconne. Celle-là déconne. Au pire, il y en a eu. Oh là, oh, il y en a la balle. Oh, c'est des purs en plus. Au pire, il y en a eu une chie là-bas. Non mais vraiment, il y a tout ça là. Bah que je pourrais ramener. Temporaire, temporaire. Ah oui, ok, temporaire. Et bon bah là, il y en a une que. Bon, pureté normale, mais impossible d'accéder, impossible d'y accéder. Je sais pas pourquoi. Regardez. Là. Hop, vous voyez, elle est pas loin, elle est pas loin. Elle est à 40 mètres, et là... Hop, Bayou. Là, si je refais un coup, vous allez voir, ça va clignoter à l'endroit où c'est 107. C'est 107, là. Mais là, y a rien. Y a du gravier. Ouais, y a la petite caisse. Aïe. Vous voyez, y'a rien. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Je me dis, y'a peut-être quelque chose plus tard qui ferait que... je pourrais peut-être dégager l'endroit, ou un truc pour balayer, je sais pas. Me demandez pas, j'ai pas la solution. Mais bon. On va commencer la première étape. Oh, encore un gros truc qui est apparu là. Donc la première étape qui est bah, tout simplement la fonderie. On va fondre. Je vais prendre l'acier, je vais le faire de ce côté là. Et je vais me garder de la marge. Ouais, quoi que non, c'est que de la fonderie normale. Que de la fonderie classique. Donc, je vais faire ça, faire quelques fonderies avancées. Ça prend combien de largeur ce truc? Ah, ça prend plus qu'un. Ça prend plus qu'un. Deux. Et on va faire, il manque 19 cadres modulaires. Sniff. Je les ai pas oubliés là. Qu'est-ce que ça fait là ça? Alors, cadres modulaires. Il me faut... Des tiges de fer, je dois avoir ce qu'il faut. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est là. Et un peu de béton, c'était ça. Hop, de toute façon, le béton. Ça fera pas de mal.
Voilà. On avait dit il m'en faut 20 en tout. Voilà, donc je vais faire 4. J'avais calculé combien 4 fonderies avancées. 10 fonderies. Oui, 10 fonderies normales. Entre les deux, je laisserai un petit passage pour éviter de trop coller. Et puis ça fera une petite délimitation. Ça fera toujours ça de prix. Par exemple, au cas où. Ce sera plus facile pour passer si j'ai besoin de faire de la maintenance ou quoi que ce soit. J'ai besoin de tirer un convoyeur, ça peut être pas mal aussi. Pour X ou Y raison. Ça peut arriver. Hein. C'est vrai que quand on oublie de faire notre convoyeur, bah c'est un peu embêtant. Oui, aussi le fait que j'ai débloqué toutes les technologies MK2 et surtout les convoyeurs MK2, MK3. Bah je vais pouvoir profiter pleinement de ce que produira. Les extracteurs, puisqu'ils extractent du coup 120 et les MK1, donc ça que j'avais en MK1, c'est 60 par minute. Et là, avec les 120, on va se mettre bien. Il y a une porte là, on peut rentrer sur la porte. Bon. On peut même pas, c'est pas ouf. Hein. Oui, il faudrait que je les paramètre aussi. Hop, lingot d'acier. Lingot d'acier. Ok, j'ai eu peur de monter, de manquer de rotor pendant un moment, mais non, ça. Ah bah, le passage il sera petit. Hein. Ça sera petit ce que je fais là-bas. Non, je vais le faire là. Hein. Je vais le faire là. On arrive. Hop. Il me faut des fils de cuivre et je vais les espacer un petit peu. Alors ça je sais que j'en avais vu. Je ne les ai pas paramétrés celle-là. Hop, on va le faire rapido. Donc une. Deux. Trois. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On les paramètre en fer. Ça va me servir, ça va me servir, on va aller voir pourquoi. Le fait de laisser des espaces, je viens d'avoir une idée. Une excellente idée, comme on dit dans le jargon. Tout là-bas, je vais foutre le cuivre, alors je vais le foutre vraiment plus loin. Comme ça, j'aurai de l'espace entre les deux si je veux rajouter des usines. J'ai commencé direct sur le bord, je crois, ouais. Commencer ici aussi 60 ça va, donc c'est 4 c'est ah, il m'en faut 8 comment je dis 8 pourquoi j'ai eu un coup de belge dans la langue là c'était original hop 4 5 6, 7 et 8. Hop là. Lingot de cuivre. Lingot de cuivre. Voilà. En habitude, vous connaissez la chanson. Voilà. Là j'ai nos deux, j'ai mes deux extracteurs de cuivre justement. Il n'y a pas d'autre cuivre autre part je crois, enfin pas trop près. Ah j'en ai un autre là-bas. Bah, comme quoi j'ai bien fait de le faire là. Impur, ouais c'est pas ouf. C'est du normal. J'ai bien fait de le faire là-bas.
Ici, parce que avec un peu de cuivre là-bas, ça vaudra le coup plus tard. Ça y est quoi? Je vais même prévoir le coup, là je vais faire 4 fonderies directes. Comme ça, moi, ce sera prêt. Et j'aurai juste à relier. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop. Prévois le cuivre. Voilà. Donc cet extracteur de cuivre ira sur les 4 de droite. Cet extracteur de cuivre sur les 4 du milieu et l'autre qui est là-bas que j'ai pas encore installé, que je viens de trouver, sera sur la gauche. Il faut deux répartiteurs. Donc là c'est 120 et on en veut 30 par fonderie. Eh ben on en veut tout simplement, on veut diviser par deux et rediviser par deux. Donc pour ça, normalement je les ai mis là, les répartiteurs de convoi, oui. Dans le bon sens s'il vous plaît. Hop là. Voilà. C'est 30, donc on peut rester avec du MK1 à ce niveau-là. Je vais faire la même chose bah, pour le reste. Pas un groupeur. Tac, tac. Partiteur. Je suis à court de plaques de fer. C'est vrai que j'ai pris très peu de matériaux, je vais en prendre un peu plus d'ailleurs. Parce que bon, les allers-retours ça va quand c'est à côté, mais quand c'est loin. Là par exemple, les allers-retours avec le charbon, on s'en souvient. Hein. 1,5 km. Pas terrible. Hop. Ça, on va prendre ça. Ça. Ça, normalement j'en ai pas besoin. De suite. Hop. Hop. Hop, voilà, je devrais avoir ce qu'il faut pour un moment. Ah oui, j'ai débloqué un truc aussi, apparemment ce serait un transport. Un transport par tuyau, ça pourrait être sympa. Mais peut-être un peu embêtant à mettre en place. Je sais pas, je verrai. Allez, on est reparti avec nos répartiteurs. Ça fait deux fois partie, mais pas le choix. Hop, allez, on installe ça à 40. Non, 30-30. Je serais quand même obligé de mettre du MK2 à un moment. Donc, de la capacité de transport de 60. Et là entre les deux, je vais le mettre. Je vais mettre un autre répartiteur. Je suis tout. Non, je suis pas. Non, hop. Je vais juste vérifier si je suis bien. Si je le mets là, c'est bon ou c'est un trop? Un trop. Là, c'est peut-être un passé. C'est parfait. C'est pas du tout un passé. Donc là, on est sur du 60. Parce que 30 x 2, 60. Ah c'est l'entrée là. J'avais un doute sur... Ouais, ici sur le sens. Mais c'est bon. Hop, hop, et hop, là, voilà. Ensuite arrivent les 120. Donc là pour 120 je suis obligé de... passer sur de MK2. Tout préparé bien en plus là. Regardez-moi ça, ça va être propre. Ça va être nickel chrome. Hop, MK2. Voilà. Même le bruit est différent.
Ah mais non, mais je fais n'importe quoi. Merci à toi qui a crié devant ton PC en disant non, tu fais une bêtise, c'est pas là, c'est pas là. Je t'ai entendu dans le futur. Eh oui, parce que là-bas, ce sera alimenté par le futur extracteur de cuivre plus loin. Yeah. Voilà. Donc là, on a 120 Hop. Sur 60, sur 60 et sur 30. Et c'est impeccable. Je vais faire pareil pour le fer. Ouh. Ouh. Ouh, on va être limite là. Ça va arriver là. Oh, c'est terrible ça. On s'arrangera. Ah oui. 1, 2, 3, 4. C'est pas terrible ça. Comment j'ai réussi ça moi? Comment quoi? Je me suis trompé dans les calculs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est normal que j'en ai 5, vu que j'en ai 10. Je divise par 2. Et du. J'extrais combien? Ah, ouais. Ah, le truc c'est que c'est 120 par mine, donc 120, 120, 140, et ensuite je dois rediviser par 2 avant, en fait. Ouais, d'accord, là j'ai une division par 2 qui sera effective quelque part par là. Et là, vu que c'est un peu différent... Attends, c'est chelou. Parce que c'est 90, ah mais oui, si, c'est 90. Ouf. Bon, ça je réfléchirai juste après. MK1, parce que là c'est du 30. 30. 30. Non. Ça c'est terrible ça. C'est pas la première fois, hein. Je sais pas que ça fait pas... Honnêtement je sais pas depuis combien de fois ça m'est arrivé là... de tomber sur cet endroit là, mais j'ai pas le choix, sinon ça fait pas. Sinon regardez, je peux faire ça, mais... Ah c'est pas terrible hein. En vrai... Et encore là ça va, mais c'est pas terrible hein. Je vais réfléchir à ce que je vais en faire. Voyons voir. Ensuite là j'ai double répartiteur ici. Enfin, j'ai répartiteur je veux dire, hop ici, ici. On est toujours sur du 60. 60. Ok, alors là j'ai 3 mines, donc je vais faire arriver celle-là juste ici. Ah, c'est moche. Hein. Dans tous les cas, il me faut MK2. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai pas débloqué les trucs. Ah, c'est dommage. Oui, je peux faire ça. Hein. Pourquoi ça me le met en jaune? Ça touche pas là, y'a rien qui touche. Bon, y'a rien qui touche, hein, je me permets de le mettre sur un jaune.
Trop incliné, je veux bien te croire. En attendant. Non, c'est du MK2 qu'il me faut. Appelle MK2, on va aller chercher là-bas. C'est bon, un poteau là? Hop, dégage, c'est moche. Je vais le mettre là, hein. J'ai pas trop le choix, je vais en mettre un comme ça. Je pense qu'on est bon là, au niveau hauteur, il peut... Comment ça? Ah, il y en avait encore dans la foreuse. Ah. C'est pas prévu ça. Mais je vais la vider. Hein. Je vais la vider. Ah oui, il y en avait 100. Clairement, c'est, ça déconne pas. Hop là, allez, c'est reparti. Hop, et je vais aller vider les minerais, histoire de pas perdre trop de place. Surtout, il me semble que j'ai un coffre exprès pour les minerais. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok, ça s'est alimenté. Là, il m'en faut. Il m'en faut 60. Bah, c'est juste une division par deux, du coup. Je vais le faire arriver par là. Je sais pas si je peux. Un peu abrupt, hein. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Dommage. Oh, et là c'est moche. Non, là c'est dans le vide. Et là c'est moche. Dommage. Faire comme ça, c'est pas bien grave. Ça va. Ça va utiliser un pouilla plus de convoyeurs, mais ce sera moins moche, quoi. Oui, là c'est bon. Ce qui fait que... Ça avance, on se frotte la tête, hein, c'est... Je pense que je vais tout regrouper à un endroit et ça va faire divisé par deux, hein. Le classique, ça marche bien. Ah, alors oui, mais... Je vais le faire plus loin. Parce que sinon c'est pas pratique. Ah, moins que... On va essayer, quelque chose. On va voir si ça, fait... Ouais, bon, déjà c'est mal barré. Bon, je vais essayer, mais... Ouais, et si je le mets un peu plus loin... Ça va. Là on est d'accord, hein. Non, c'est encore un peu plus loin ensuite. Oui, c'est plus 45 qu'on peut se permettre là, c'est vrai que j'ai pas réfléchi. J'ai eu de la chance. Et là bah il me faut un rediviseur par deux. Hop, ici ça devrait être bon. Par contre je suis 90 donc je suis obligé de passer sur du MK2. Voilà, ce sera le fer et c'est là où vient le truc. Et ensuite on a du 180, mais 180 c'est d'accord, c'est du MK3. Là je vais avoir du MK3, donc le MK3 on va le faire le plus court possible.
Clairement. Donc là, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Hop. C'est peut-être à peu près, je sais pas. Non, ça a l'air d'aller. Pourquoi j'ai la tronçonneuse? Alors, mais pourquoi tu fais ça? Tu le regroupes, mais après tu... en fait, je vais regrouper le reste de ce... de cet extracteur. Avec ça. Avec les deux autres mines, en fait. MK2. Bon, on va faire ça bien quand même, pas déconner. Hop, voilà. Là, je peux passer à du 1 parce que c'est 60. Ah oui, d'accord. Là, on va pouvoir rester sur du 1 parce que c'est 60. Ah, je l'ai mal placé. Je l'ai mal placé, je peux le placer là. Là par contre c'est du MK2. Là c'est du MK1. Et là, je suis droit normalement. Yes. Et là je dois faire arriver les deux mines. D'une manière ou d'une autre. Là c'est compliqué. Alors déjà on va alerter ce qui nous embête. Hop. On va faire ça. Et ça. On peut passer par en dessous, donc ce sera pas un problème. Et je vais faire arriver une mine là et une autre là. Ok. Hop, du MK2 parce que c'est 120. Arrivé. Hop, on va le tirer jusque... jusque là, on va lui mettre... on va le faire rejoindre. Il faut encore qu'on tire. J'ai loupé la marche, mais j'ai de la chance. Ça... oh oui, en plus je récupère du convoyeur MK2. Ça, je le faisais passer par au-dessus. Parce que là où il était avant, il était plus pratique au-dessus. Ah, ça passait au travers un cactus. Ah, c'était pas beau ça. Bouh, c'est honteux. Ok. Clairement tout ça était en MK2 là, ça va économiser un peu de place. J'ai bien envie de le faire arriver par au-dessus en vrai là. Ah, c'est un truc propre. Là je trouve pas ça propre. On va essayer autre chose. Vous allez me dire. On va essayer autre chose, vous allez me dire si ça vous plaît. Ça déjà.
toi. Ih. Bon, toi, ça passe pas. Ah, c'est bien tenté, mais... Ça passe tout pile, hein. Magnifique. Ensuite, alors, juste ça, je retire le temps de... Hein. On va le faire arriver là. Et... C'est d'à peu près aligné, mais bon là, ça va pas être fou quoi. Je fais de mon mieux, mais bon là, ça va pas être terrible. Hop, ensuite qui arrive en haut, qui arrive en bas, c'est pas un problème. Ah. Comment j'ai réussi à choper celui derrière, je ne sais pas. Merde, c'est du MK1 que j'avais mis moi. Ah ouais, tout ça c'est du MK1. Oh, terrible. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi. Voilà. Là, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Ok. Et là... Ça a l'air d'être pas mal, hein. De toute façon, on verra si ça arrive normalement ou pas. Hein. Hop, là je vais faire ça. Et là où il va falloir être bon. Et... Je me trompe pas, c'est là, mais c'est pas facile. Terrible, à peine trop loin. Ouais, c'est ça, à peine trop loin. Hop, c'est ici. C'est quoi ça? Ah oui. Ah non, c'est pas du MK1, hein, du coup, c'est du MK2. MK2, là, c'est pas du MK2. Et heureusement que je vérifie des fois. Et là, normalement, c'est propre. Impeccable. Tout là, on a du MK2 qui arrive. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Alors. J'aimerais bien voir. Et à chaque fois, j'en ai marre de faire le tour. Hop, un truc. Modifie là un peu, ça traverse. Et là, donc si on prend un peu de hauteur, c'est propre. C'est quand même propre. Donc là, on a fini notre toute première ligne. Bah non, pas du tout. J'ai pas fait rentrer le charbon. Il nous en faut 180 de charbon. 180. Non, ça c'est terrible. Je vais devoir... Oh purée... C'était pas prévu ça. Je l'ai totalement pas prévu dans mes calculs ça. Je vais devoir tirer un...
Convoyeur MK3 de 1,5 km là. Et j'ai pas 36 millions de poutres en acier non plus quoi. Et je peux pas prendre, je peux pas arrêter le. Je peux pas arrêter d'en envoyer au charbon, ça c'est pas possible. Au moins que je fasse du MK2 et que le charbon j'en envoie que du MK2. Les deux sont chers en vrai. Non, même si le MK3 il est pas moins chiant à faire. Honnêtement, je sais même pas ce que j'ai le plus. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 700. 8, 9, 900. 2, 4, 6. Ah mais dans tous les cas, je suis obligé de tirer 2 MK2. Bah, le temps que j'ai les matériaux nécessaires pour tirer la base qu'il faut en charbon, je resterai sur du MK1 ici. Donc ce sera sous-alimenté, mais c'est pas bien grave. Si ce n'est que ça me va. Ok, alors. C'est peut-être un pouille approche quand même. Là, je vais devoir faire passer par-dessus. Je divise par deux, là. Non plus, c'est pas prévu. Oula. Alors, bon bah là. C'est pas simple là, hein. Ça c'est pas simple là. Ok, là on est bien. Là faut que j'alimente ici. Terriblement pas simple. Pas sûr que ça passe là. Hein. Ça passe. À mon avis, ça joue un poil de... Hein? En plus, ça reste pas trop moche, hein, c'est ça le truc. Bon, faut quand même que ce soit un minimum esthétique, un minimum. C'est du bazar organisé. Franchement. Comme on dit, c'est une usine à gaz, mais une usine à gaz, c'est bien organisé, non? Après tout. Ensuite. Là ça touche même pas, regardez, c'est ça qui est magnifique. Ah si ça touche, mais à limite. On peut dire que ça fait partie de la... que ça se repose dessus en vrai. C'est tellement proche que ça... Ça je me l'autorise. Hein. Encore à des fois, bon bah, c'est un peu abusé. Hein. Mais là je me l'autorise clairement. Hop là, là j'ai pas besoin. Ok. Allez, je vais quand même faire ça propre. Excellent, hein. Je sais plus.
pas du tout, pas du tout, c'est là. Là là. Je le voyais pas, il était planqué, je le voyais pas. Voilà. C'est pas magnifique comme ça. Alors. Bon, maintenant que j'ai de la production, mais j'ai pas amené charbon. Oui, c'est surtout pas fini en fait. Voilà, le centre c'est là. C'est ici ou c'est plus loin? Ah, surtout elles sont pas au même. Oui, bah oui. Ah, je suis obligé d'avoir du. Attends. Attendez. Là, j'ai quoi? Là, j'ai du 45 qui y va. Donc là, j'ai du 90. Alors, non, là, c'est du 45. Donc là, c'est du 90. Donc là, c'est du MK2. J'ai mis dans le bon sens, c'est ça? Bah si, c'est lui que j'ai pas mis dans le bon sens? Ah oui, non, pas du tout. Ouais, je me suis trompé même de type de convoyeur, je crois. Hop. Et là, on aura du MK3, le fameux. Qui viendra de par là. Ah, le MK3, il fuse, hein. Fou, là. Il va vraiment vite. Ouais, différence, hein. Ça c'est du MK1. Ah non, du MK2. Ça c'est du MK1. Ça c'est du MK2. Mais déjà la résistance que j'ai au tapis, hein. Et ça c'est du MK3. Alors là, là j'avance, hein. Là j'avance, hein. C'est juste que je recule. Enfin, j'avance, je recule. Enfin, j'avance, mais ça me fait reculer. Vous avez compris. Une fois que ça c'est fait. Ouais, on va avoir un peu de vision. Prendre du recul. Littéralement. Ah, c'est un peu plus usine à gaz, mais c'est normal, là, il y a plusieurs entrées. Mon cerveau est en ébullition. Ouais, je commence à faire le. Déjà, je vais relayer le charbon. Non plus. Pourquoi je m'embête?
Hop, hop. Mais toi, je suis trop près là. Oh, je suis même. Simplement aller chercher là-bas le charbon. Moi, je m'embête. Hein. Oh, c'est celui qui est derrière. Dommage. Un détournement de charbon. Je me demande d'ailleurs si c'est pas trop bas ce que j'ai fait. Non, c'est bon. Totalement bon. Alors on va s'occuper de... Déjà on va remettre ça, si c'est moche. On va s'occuper d'électricité maintenant. Celui-là il est là. Allez, monte tout. Hein. Et bon, c'est la bonne. J'ai clairement pas alimenté le bon là. Ah, ils sont de l'autre sens les... Oh, terrible. Non, bah je vais alimenter de l'autre sens, sinon ça fait moche, ça passe à travers là. Par contre, de ce côté, ça marche pas trop. Ça mange pas du tout même. C'est quand même mieux quand ça traverse pas, hein. Un peu d'eau.
Allez. Et c'est là que ça me dérange. Ouais, pas très propre là même. Ouais, c'est pas ça. Ouais, non, là ça va être terrible. On va tricher un peu. Hop là. Oh non! Quand je vous dis que j'arrête pas de tomber dans ce trou. C'est ouf. J'avais gagné 10 balles à chaque fois que je serais tombé dans ce trou là. Ah. J'aurais de quoi m'acheter ma nouvelle carte graphique. Pour faire tourner mieux des jeux. Plein milieu. Ça, c'est terrible. Bon, je vais tricher. Là, ça va être tendu, hein. Trouver les bons endroits pour aller monter. Ouais, là. En espérant que j'ai quelque chose de similaire ici. C'est au milieu de ça, c'est là. C'est pas ouf, mais ça passe. Hop, par contre, on va retirer ceux qui sont de l'autre côté. Allez, c'est des panneaux. Ah, des poteaux, je veux dire. C'est lequel celui-là? Oui, non, de toute façon, je n'ai plus aucun de ce côté normalement. Hop là. On va rebrancher, enfin je vais rebrancher les centrales électriques. Donc pour ça je vais utiliser ce poteau là, lui c'est un poteau là, il va consommer lui. Il y a du passant sur celui-là. Oh, oui il y a du passant. Il y a combien là? C'est que l'acheminement du minerai. Là il va me falloir un poteau pour alimenter ça. J'ai pas le choix, je vais le faire passer là. Oh mais j'en ai un ici, attends. Ok, il m'en manque un dernier. Il doit être relié celle-là. Ah oui, mais par ce câble. Cet horrible câble-là. J'ai pas un poteau de libre là, vraiment. Il est relié à quoi lui? Bah. Ah, ça a arrêté. Ah oui, d'accord. Déjà, ça c'est moche. Ça c'est moche. Ouais, mais ça c'est la lime. Je vais en un intermédiaire, un poteau intermédiaire. Oh, tu te.
Il branche à rien lui. Ça risque pas de fonctionner. Il branche à rien. Je viens de le poser. Non bah non, c'est même pas celui-là que je viens de poser. On va le brancher, on va prendre la hauteur. Hein. Il est planqué derrière la roche. Voilà. Là, ça traverse pas de manière dégueulasse. Ça, ça s'est remis en route. Ça, ça s'est remis en fonctionnement. Ah. Hop. Un petit truc oublié là. Ça, c'est du M15, mais j'ai pas besoin de plus. Bien sûr, j'aurais besoin de plus à terme. M4 ici. Je sais pas s'il va juguler tout. Bon, déjà il va produire un peu plus. Il va y en avoir en attente là, parce que ça va se remplir plus. Mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qui fait que normalement, si on a géré, il y a du minerai partout en attente. Ouais, j'ai pas encore alimenté les centrales. De cuivre. Elles sont pas alimentées par là-bas. Y a pas un poteau ou un truc comme ça qui traînait dans le coin. Oh. Ah bah voilà, il est là mon poteau. On va le mettre là. S'il monte par quel bord ? S'il montait par le dessus ? Ah oui, c'est bon. Ah zut. Pourquoi je suis repassé par là ? Quelle idée ? Eh hey, mince. Attends, la bonne blague. Là je remonte pas, c'est ça? Zut. Je me disais aussi c'était trop beau là. Un passage comme ça. C'était trop beau. Allez. On va remonter. Ça viendra quand j'aurai les fameuses décathlons. Ce sera mieux. Hop, allez. Le poteau là. Et notre anime. Je veux savoir comment ça tire déjà. 200 mégas au moins. Même plus là avec les deux extracteurs. Oh merde. Mon petit doigt me dit que je vais vite devoir refaire de la production d'Elec. Hein. Voilà, max conso 215. On somme déjà la moitié presque. Par contre, c'est pas stable. Pourquoi c'est pas stable? Pourquoi ce n'est pas stable? Ah oui, bah oui, c'est parce que je remplis les trucs petit à petit. Avec les... Là par exemple, elles minent parce qu'elles sont pas pleines. Une fois qu'elles seront pleines. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien mis du MK2 là? Mon poteau. Oh non, il est en hauteur ce poteau, je peux même plus accéder. Oh terrible. On va tester tout allumer d'un coup, on va voir ce que ça va faire. Et après
Faudra vérifier. Comment ça? Ah oui. Là, on va vérifier que ça fonctionne bien. On va, j'allais dire, on va brancher cette ligne à celle-là, mais non. Elle ne veut pas. 1, 2, 3. Eh ben, on va brancher là. Et ça va être notre poteau d'alimentation général. Oh, je m'en débarrasse de ce fil-là qui coupe, comme ça fait vraiment pas bon. Hop, voilà. Et là, normalement. Attends, mais la console, elle va être énorme, là, j'y viens d'y penser, mais. Là, je suis à 215 et tout ça, c'était pas branché. Oh, mais c'est terrible! Bon, ça fume de partout. J'ai l'impression que ça fume pas assez là-bas. On n'a que 4 en route. Oh, le pic qu'on a atteint là! Max conso 367. Oh! Mais j'ai que des fonderies! Oh madre, madre. Ça va vite refaire du central au charbon, hein? Bon, si là-bas ça s'est mis à fumer comme il faut. Mais oui, le problème c'est. C'est ça? C'est. Ouais, je reconnais ça. Oh là là. Oh là là. Oh. Ce que je vais devoir faire, c'est. C'est qu'en sortie de ça, je vais mettre. Je vais produire des poutres pour les courriers MK3 et je vais faire le chemin là, je vais faire le triple chemin là qui va jusqu'au central et. Et je vais devoir faire les centrales en plus. Oh, c'est terrible aussi. Ouais. T'es vraiment con toi. Donc, j'ai quand même une petite question, c'est le constructeur là. Si je lui ai dit de faire des poutres en acier, c'est 60 lingots par minute. Et ça m'en produit 45. Donc là j'ai 90, j'ai 180, donc j'ai 3 constructeurs à mettre. Ok. C'est tout. Oh, attends, mais quoi? Attends, what? J'ai bien lu? Ça me sort 45 ça. J'ai un doute sur ma lecture. Ah si, je consomme 60. Ah, 180, c'est ça. C'est terrible ça. Bon bah. Pas le choix, hein. Bon, je l'ai mis à l'envers, celle-là. Là, ça c'est du temporaire. Je le fais avec vous, rapido, tranquillement. Ouais.
Je vais mettre des regroupeurs. Comme ça. Oui, un peu comme ça. Hop, ça c'est rapide. Et je devrais remettre un autre groupeur, je crois. Mais comment j'ai réussi à faire ça, moi? Je sais pas. Un autre groupeur, mais qui cette fois me sort tout. Ici avec du MK2. Donc là j'ai 180. Non, c'est pas du groupeur, c'est un. Je vais faire la partie tard. Hop. Là j'aurai 180. Ensuite là je vais avoir 60. Oh la vache, la vitesse à laquelle c'est allé par contre. Ok. J'ai rempli tout. Alors, poutre en acier, poutre en acier, et repoutre en acier, hop là. J'ai besoin d'un fil, maintenant, tirer un câble pour alimenter tout là. Le milieu c'est là. Piquer la ligne là-bas. Ça marche pas? Oh, attention. Ah oui. Et là, bah, je vais mettre un conteneur industriel. Ah, il me faut des tuyaux en acier. Allons chercher ces vins. Chercher ce qu'il faut. Oh la vache. Oh le bordel. Ça, je sais que j'en ai du tuyau en acier. J'en avais récupéré un peu. J'ai dû en faire pour un niveau du hub. Développer un niveau de développement du hub. Ça, je sais que j'en avais quelque part. Ok, ensuite, tac. J'en passe là. Ok, on va mettre un regroupeur. Euh...
toute façon MK1 parce que ça prend vraiment que dalle. La sortie c'est 15 je crois, 15 par minute. Autant dire c'est vraiment rien du tout. Là on se dit oh ça sort bien. Ouais ouais ouais, ça sort bien, regardez. Et là, j'ai oublié le coup du bouchon. Mais ça va réguler, ça va réguler. En fait, je sors 15 poutres par minute seulement et... Lui, le passage, peut en prendre 60. Mais vu qu'on avait un peu dans les stocks, c'est le temps de réguler un peu. On est là. On a trop en stock. Ça fait 3-2. 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. Vous voyez, ça baisse en 1 et bientôt il n'y aura plus. Si on attend, je pense, une minute, ça commence à vider déjà sur les côtés, je pense. Ce serait mieux qu'il serait vidé le plus vite. Non. Bah non, ça fera le même, pardon, ça fera pareil en fait, ça videra normalement à peu près en même temps. En même temps si tout se passe bien, hop, tac, tac, là c'est réapparu, c'est réapparu. Là ça prend du retard, comme vous voyez, sur le milieu ça prend du retard. Et si au milieu il n'y a plus rien, bah ça videra les côtés encore plus vite. Attendez, je vais me mettre sur le convoyeur parce que là j'y vois pas assez. Je vais tourner trop la tête. Voilà. Hop. Par contre, étrangement, ceux de droite, ils ont pas l'air de vouloir se vider. C'est fou ça. Ah si, voilà, ça commence à se vider. Et regardez la droite. Ah. Bon, en tout cas, ça mange bien. Ça arrive lentement, vous voyez là on a déjà... Bon on a rigolé un instant mais on a que 150. Et encore là c'est parce qu'il y a les stocks qui arrivent plutôt rapidement. Parce que jugulation, bah là, comme je vous montrais. Mais en vrai... En vrai c'est pas fou. Ça bloque plus et ouais, 187, ça va en rajouter 3, non même pas 2, c'est 3, 192, ouais, ça déconne un peu en plus hein. Vous voyez, ça met du temps à remplir et en plus là améliorer tout ça. Ça va être un peu long. Je vais voir déjà avec tout ce que j'ai. Je vais prendre. Alors avec tout ce que j'ai, dit-il. En partant sans prendre. Sans prendre les poutres. C'est vrai que c'est ralenti du fait qu'il y a un manque de charbon. Vous voyez, la pierre s'est remplie, le charbon c'est vide. C'est vide, c'est. On le voit passer quoi. Je vais tout remplir. De mes poutres. On me dit comme ça, c'est bizarre. Et j'ai tout sur moi, 2, 4, 6, 788 poutres. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller avec 788 poutres. Pas le suspense. Les paris sont ouverts, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Je ne pense pas. Oui, bon, bah déjà si le début est pas fait, effectivement on va pas aller jusqu'au boulot. Hop là, allez c'est reparti mon kiki. Hop là.
On n'a pas amélioré le mauvais là, déjà que j'en ai pas des masses. Très dommage si je me trompais de ligne. Allez, j'en ai déjà utilisé 200. Oula, 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 oula. Oh, le petit coup de bug là. Ça jugule. Hein. Alors on voit au passage ici, dans triple la cadence, de plus même, je crois. Ah, peut-être que je vais avoir de quoi arriver, mine de rien. J'ai pas encore utilisé la moitié. Oula, faudra que je modifie ça. Hein. Il y a du poteau, pas ouf. Hein. Ah, je l'ai amélioré celui-là. Ah, je suis repassé en MK1, comment ça se fait? Oh, terrible, ça fait combien de temps que je suis passé en MK1 et que je fais n'importe quoi? Ok, ça faisait que deux. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. La montée va être. Non. Il va me manquer, je suis sûr il va me manquer pas beaucoup mais genre un peu. Juste pour te dire, fais un dernier aller-retour. On refait un aller-retour. Mais parce que au passage, il faudra aussi que j'améliore les convoyeurs tout en haut enfin, jusque tout en haut quoi, vraiment jusque devant la mine. Non, ça marchera pas. Ouais, 160. Oh, regardez-moi ça. Ça sent le seum. Il m'en reste 100 pile. À chaque fois. Non, rien me manquait. Et quand je vous dis le somme, c'est qu'il me manque rien hein, par rapport à la totalité du chemin. Regardez-moi ça. Il me manque quoi? Il me manque ça. Il me manque ça. Ah. Ah. Laissez-moi crier. Bon, heureusement par rapport à la globalité du chemin. Enfin, heureusement, je veux dire, dans ce sens-là, pour revenir, c'est plus rapide. Vu qu'on est sur le. Sur le convoyeur, bah. Vitesse plus convoyeur, hop hop hop. Vous savez quoi? Bah, je vous garde jusqu'à. Je vous garde jusqu'à ce que. Est-ce que ça soit bon? C'est ma petite motivation, vous êtes ma motivation les gars. Mesdames, pardon, vous êtes ma motivation, mesdames et messieurs. Mesdames, mesdemoiselles, ah non, mesdemoiselles c'est plus français, c'est vrai. Dégage. Quelle idée. Je veux dire jeune dame. Jeune femme. Je suppose. Allez, allez, allez.
quand même satisfaisant de courir un peu plus vite là. Moi j'aime beaucoup. Oui, j'ai ressenti ton hostilité. Comme dans les films. Oui, je ressens ton hostilité. T'as bien fait de bouger, toi. J'étais prêt, là. J'étais prêt à cogner. Hop là. Bon, déjà... On voit que ça jugule hein, quand même, ça jugule bien. Et là la prod elle devrait augmenter. Hein. Ouais la prod a augmenté. D'abord on y retourne. La 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 la. Bon, ça fera encore un petit épisode sympa. Mais peut-être trop long en vrai, je me demande si les premiers je devrais pas les sortir les samedis. Épisode bonus. Parce que là, 1h30. Excuse-moi, il y avait un grain de sable devant, t'es débloqué. Hein. Donc là il y a une... Oh, j'ai juste une falaise, mais pas de problème. Sinon je vais tomber dans la flotte. Et l'eau de ce qu'on avait pu voir sur les épisodes d'avant, c'est dangereux. On peut passer au travers de la terre en tombant dans l'eau. Voilà, faites attention la prochaine fois que vous allez vous baigner en mer par exemple. Vous savez que si vous allez trop loin, vous passez au travers de la terre. Hein, vous arriverez à l'opposé, c'est quoi? C'est l'Australie, un truc comme ça. Hein. Voilà. Donc attention, si vous voulez pas arriver en Australie, bon après il y a pire. Hein. Voilà, je préviens. Au cas où. N'allez pas trop loin en mer. Allez, dernière ligne droite. Enfin, dernière montée. Oui, c'est une ligne droite, mais une montée aussi. Dernière ligne droite de montée. Pause. Ça lui fera les pattes. Non, mais c'est un vrai athlète, hein, le mec, hein, quand même. Hein. Il arrête pas de courir. Moi, j'aurais fait un centième de ce qu'il a fait, mais j'aurais été foutu. Hein. On m'aurait déjà emmené aux urgences pour asphyxie par oxygène. Hein. Alors, ouais. Bah voilà, c'est bon. Il manquait juste ça. Ah, il y a autre chose de terrible. C'est que j'ai mal fait mon calcul. Et que ça me consomme 180 de charbon. Je consomme 180 de charbon et j'en produis que 120. Bon là ça a l'air de bien fuser, au tout début on est bon aussi, on est d'accord. Bon. Ça je le garde pour moi du coup, hein. Enfin je le garde pour moi. Je vous libère de cet épisode. Bon au moins j'aurais augmenté la production de mes poutres d'acier. Ce qui fait que je devrais attendre je pense moins longtemps pour pouvoir finir
finir de, enfin, pour pouvoir refaire cette route de convoyeur MK3. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver bientôt pour le prochain. Alors, comme je disais, je sais pas trop quand. Parce que je sais pas du tout quand je vais faire sortir cet épisode. Hein, pareil, on est début juin. Hein, on est vraiment tout début juin. Donc, c'est pour vous dire, je n'ai aucune idée. Là, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce long épisode. Hein, encore une fois, ce long épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Thiob. Ciao!